Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Donc, ça sera un haul en plusieurs parties parce que là, on est vraiment fin mai. Et je voulais quand même vous montrer les produits pour pouvoir enfin les utiliser. Donc, tout d'abord, je commence par des produits que j'ai gagnés à un concours, même deux concours. Le concours de Merico Makeup. Donc, ma belle, si tu me vois, je pense que tu verras la vidéo. Je te remercie parce que j'ai gagné le concours L'Oréal Magic Touch qu'elle nous avait proposé. Donc c'était sur sa chaîne YouTube et après sur Instagram, si je ne me trompe pas. Je crois que oui, je crois que les filles elles avaient diffusé sur les réseaux sociaux également. Donc c'était ceci. Donc voilà, j'ai gagné le concours avec Merico Makeup. Donc je vous laisserai le lien de sa vidéo. De sa chaîne plutôt carrément en barre d'infos. Voilà, donc j'ai pris la teinte couleur noire forcément. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpellait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai participé à ces concours. Donc je me suis dit, ça se trouve, je vais peut-être réussir à en gagner au moins un. Voilà. Et donc pour l'instant, mes racines sont pas encore bien visibles. Donc je peux pas encore le tester. Mais promis, je vous parlerai de ça dans mes favoris du mois de juin, qui sera début juillet. Voilà, donc oui, certes, ça sera un petit peu, c'est encore très loin, mais voilà. Donc je vous en parlerai, donc voilà. Et je vais, après, je connais des personnes qui ont testé et qui en sont super contentes, hein, voilà. Et ensuite, bah, je vous parle du deuxième, ce que j'ai gagné avec Hélène LC. Donc c'était pas prévu, je pensais pas gagner deux concours sur le même produit. Franchement, j'étais hyper étonnée. Donc j'ai pris pour ma maman le blond foncé. Voilà, comme ça, elle aime bien ces produits-là. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc un pour moi, un pour maman. Je n'ai pas fait mon égoïste, non. Voilà, donc merci Merico Makeup et merci Hélène LC. Donc pareil, Hélène LC, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, on continue dans les produits que je n'ai pas payés, que j'ai reçus. Donc c'est un coffret Le Petit Marseillais. Donc c'est un coffret que j'ai eu parce que j'ai été choisie par Le Petit Marseillais pour tester des produits. Donc j'ai eu des bons de réduction, d'ailleurs il faut que je les donne à mes copines, voilà, et à ma maman aussi. Donc c'est des bons de réduction pour avoir 1 € de réduction pour l'achat d'un petit Marseillais. J'ai eu un petit livret où vous avez carrément toute la gamme des petits Marseillais, donc c'est une nouvelle gamme qui est sortie. Donc en fait c'est la gamme Collection Les Petits Bonheurs, voilà. Donc vous avez Ma Pose Cocooning, Ma Vie en Rose, Le Petit Grain de Sel et Croquer la Fraise. Alors, et en fait j'ai également eu, c'est trop mignon, une sorte de carte postale, comme ça, pour pouvoir, et au dos ça fait vraiment carte postale, voilà. Donc ça peut être super sympa ça. Vous n'avez pas de carte postale sous la main et que vous voulez mettre une petite un petit mot à une copine et tout, je trouve ça super rigolo. Et voilà le coffret que j'ai eu. Donc en fait j'ai eu deux, donc celui que j'ai choisi forcément à notre coco, donc le cocooning. Ça sent trop bon, j'ai pas encore testé, en fait je voulais vraiment vous montrer. Et ça fait un moment que je les ai reçus, j'ai pas encore eu le temps de tester. Je me suis dit, je vais leur montrer et je vais enfin pouvoir le tester. Donc demain matin, je les attaque. Et le deuxième que j'ai eu, donc c'était le deuxième que je voulais, donc ça tombe bien. Donc c'est Le Petit Grain de Sel. C'est au sel marin, c'est super frais. Franchement, je vous en dirai également des nouvelles dans mes favoris. Voilà. Je vous dirai tout ça. Je posterai un petit truc sur Instagram. J'essaie, parce qu'en fait, je dois donner mon avis, bien sûr. Donc, les tester, donner mon avis. Donc, je suis... ça, c'est mon passe ambassadrice. Donc, moi, le coco. Je vous en parle, comme ça, voilà. Besoin d'une pause cocooning. Donc, avec cette douche crème enrichie en beurre de cacao, à la mousse onctueuse et au parfum douillet, on s'envole vers le confort et le bien-être
pour un moment de détente au bout du monde depuis sa salle de bain. Et le deuxième, donc le petit grain de sel. Optez pour un gel douche hydratant à la mousse légère et un parfum étonnant pour réveiller le corps et l'esprit. Donc ça, je pense, ça sera parfait le matin. Les deux autres, je les ai pas sous la main, je les ai pas sentis. En plus, à la rose, j'aime pas. Et à la fraise, j'aime pas. Donc ça tombe bien, j'ai vraiment eu les deux que je voulais. Donc ce sont que des ingrédients d'origine naturelle. Hein. De toute façon, je vous ferai une petite photo spéciale que je mettrai sur Instagram et sur Facebook. En même temps, ça sera sur Instagram, Facebook et Twitter. Comme ça, quand je mets sur Instagram, ça poste en même temps sur Twitter et sur ma page Facebook Audrey Passion Makeup, si vous n'êtes pas encore au courant. Donc je vous ferai une jolie photo, voilà, pour vous, je vous montrerai tout ça. Pour développer un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu en scène, voilà, ces deux gels douches. Donc ça, c'est mon coffret, le petit Marseillais. Et pour cette partie-là, je finis avec Kiko. Donc j'ai acheté que deux produits, rien d'exceptionnel. Donc j'ai pris un rouge à lèvres mat. Donc j'ai pris la teinte 315. Il y en a 10, je crois, des rouges à lèvres mat. Donc ce sont les nouveaux, hein, les Velvet Passion mat. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors, le packaging, bon, je vous ai montré juste avant. Ça se présente comme ça. Alors moi, j'aime bien, c'est la forme du raisin. Je trouve ça super original, très très joli. Donc voilà la couleur. Il est trop beau, trop trop beau. Et je me suis dit que j'allais prendre le crayon qui allait avec. Donc le 405. Parce qu'en fait, en dessous du présentoir où il y a les crayons, et donc il y a les crayons qui sont en arrière-plan, si vous voulez. Au premier plan, vous avez les rouges à lèvres. Et sur le présentoir en bas à droite, vous avez un petit cadre comme ça. Où vous avez la couleur du rouge à lèvres, le numéro, et vous avez les crayons qui correspondent. Donc bah moi forcément j'ai trouvé, j'avais même pas vu, c'est la vendeuse qui avait vu la couleur qui correspondait au crayon. Voilà, donc le crayon qui correspond c'est le 405. Voilà, le rouge à lèvres et le crayon. Donc le rouge à lèvres coûte 8,90€ et le crayon coûte 6,90€. Voilà, donc ça fait 15,80€ les deux. Je trouve que ça reste vraiment raisonnable pour un combo rouge à lèvres et crayon. Et ça tient du feu de Dieu. Franchement, ça tient super bien. Alors, ça tient très bien avec le crayon sur toutes les lèvres et le rouge à lèvres par-dessus. Franchement, j'étais hyper étonnée. Je me suis dit, je vais tester comme ça. Bon, je vous ai pas fait un crash test parce que, voilà, je préfère vous faire des crash tests sur des produits vraiment où on a un petit doute. Là, j'avais pas trop de doutes, mais bon, je me suis dit, ça tient pas. Bon, bah, ça tient pas. Mais en fait, ça tient super bien. Et le rouge à lèvres, après, j'ai testé le rouge à lèvres tout seul. Et il tient plutôt bien aussi, un tout petit peu moins, mais il tient très bien. Alors, il n'est pas complètement sans transfert, mais c'est vraiment hyper léger. Hein. C'est si vous faites un bisou comme ça sur la main, ça va pas marquer, les lèvres elles seront pas imprimées ici, ça va vraiment faire léger, léger, léger. Voilà, mais bon, je vous conseille toujours de bien laisser sécher et au moins, il n'y a pas de question d'avoir de transfert. Et franchement, le combo des deux, c'est une super belle couleur. Il est vraiment très mat, je trouve, et très confortable. Alors ça, par contre, rien à dire. Crémeux et confortable. Mat, crémeux, confortable. Presque sans effet transfert. Pas cher. Bref, la combinaison de 5 choses qu'on aime bien. Voilà. Donc voilà pour ma première partie de mon haul. Donc on se retrouve dans la suite juste après. Alors, me voilà dans la suite de ce haul. Je suis allée faire un tour centre-ville de Grenoble parce qu'il y avait moins 30% chez Kiko jusqu'au 29 mai. Aujourd'hui, on est le vendredi 27 mai. Combien ? 28 mai ? Ouais, on est vendredi 28 mai. Je sais même plus quel jour on est. Donc je suis allée chez Kiko parce qu'il y avait moins 30%, mais je vous dis sincèrement, j'ai tellement de choses que
J'ai pas craqué mon slip. Alors, j'ai pas acheté grand chose, hein. Je vous dis franchement, j'ai acheté que deux choses. Donc j'ai pris un long lasting eyeliner. Donc ça, ça coûtait à la base 5,20€. Donc j'ai pris la couleur 09. Alors ne soyez pas étonnés de la couleur. Je sens qu'il y en a un qui me regarde avec des yeux de merlan frit. Voilà. Donc j'ai pris un vert sapin, comme ça. Parce que je n'en ai pas. Ben non. C'est... Oui, ça arrive. Hein. Audrey Hino n'a pas forcément toutes les couleurs de crayon. Donc voilà, j'ai pris ce vert sapin. Je trouvais qu'il était super sympa et moi j'aime bien le vert. Donc voilà. Et je me suis pris le premier... ma première ombre à paupières Kiko de cette forme-là. On va y arriver. Donc ça coûtait... Il coûte 5,90€. Donc ce sont les nouvelles ombres à paupières qui sont carrées. Donc j'en ai pris qu'un. Hein. Voilà. On va enlever. De toute façon, ils ont déjà une petite boîte. Donc voilà. J'ai pris la teinte numéro 65. Et c'est le même packaging que les blushs et les poudres pour le visage. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris cette couleur-ci. Donc voilà. Alors j'ai pris cette couleur-ci parce que je trouvais qu'elle était bien passe-partout et qu'elle était plutôt jolie. Je la trouvais très lumineuse. Et la texture est hyper crémeuse. Voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa. Moi qui mets rarement de l'ombre à paupières, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de mettre ce genre de couleur. Donc voilà pour Kiko, hein, vous voyez, j'ai pas acheté grand-chose. Donc un crayon pour les yeux et l'ombre à paupières. J'aimais bien cette ombre à paupières, je trouvais qu'elle était jolie, un peu taupe violine. Ouais, super sympa, sans regret. Ensuite, je suis allée... chez Saga. Donc chez Saga, il y avait un rouge à lèvres que je voulais à tout prix. C'est le 236. C'est L'Oréal 236 Color Rich, la couleur Organza. Donc je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc 236 Color Rich Organza. Il se présente comme ceci. Et voilà la couleur. Franchement, il est trop beau. J'ai bien fait de le prendre. Et pour info, chez Saga, ça coûte 5€, hein, les Color Rich. Je dis ça, je dis rien. Donc moi, personnellement, je ne vais plus acheter les Color Rich, les vieux, hein, parce que les récents, ils ne sont pas encore chez Saga. Mais franchement, les vieux... Je vous dis franchement, je compte plus les acheter en parfumerie ou aux Galeries Lafayette ou chez Monoprix ou en grande surface. Ça coûte à peu près 17€. Alors que là, ça coûtait 5€ et il y avait les mêmes chez Galeries Lafayette et également chez Monoprix, le même hein, à 17,50€. Moi, j'ai payé 5€, ça me va très bien. Et en plus, il est super beau. Franchement, je suis super contente. J'ai bien fait de recevoir mon mail Saga. Voilà. Donc ensuite, je suis allée à l'atelier des coquettes. Donc c'est une boutique qui est à Grenoble. Donc c'est Marine qui tient cette boutique. Et elle a également un site internet où elle revend les produits. Donc ce sont uniquement des produits américains où on trouve Victoria's Secret, enfin ça dépend, elle a des arrivages, Victoria's Secret, là en ce moment elle a du Essence, elle a des brumes pour le corps, elle a des bougies, voilà, elle reçoit plein de choses. Et donc, moi j'ai pris ceci, donc ça ressemble au gel antibactérien Bath & Body Works, donc j'en avais déjà acheté chez elle, de la marque Bath & Body Works. Elle en avait plus. Alors, par contre, elle a reçu cette marque-là, donc Webbies. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc, j'ai pris Tropical Island. Ça, c'était 2,55€. Ouais. Tropical Island.
deuxième que j'ai pris, c'est Coconut. Et j'ai pris Coconut Party. Franchement, ça sent comme... Alors, si vous connaissez les brumes Victoria's Secret, ça sent comme Coconut... merde. J'ai la brume en plus à la maison. Ça sent Coconut Passion. Ça sent la même odeur que Coconut Passion. Donc là, c'est Coconut Party. Voilà, donc ça c'est super pratique. Ensuite, je suis allée chez Casa. Je voulais à tout prix un diffuseur à bâtonnets, diffuseur de senteur, une sorte d'huile avec des bâtonnets de chez Habitat. Mais le problème c'est que chez Habitat ça coûtait 35€. Donc je suis allée chez Casa. J'avais reçu un mail comme quoi ils avaient un arrivage, enfin des promotions sur justement ces produits. Ça, au lieu de 12,99€, c'était à 6,49€. Donc moi, forcément, voilà, j'ai pris Coco Butter. Par contre, il y avait la vendeuse, alors j'ai pas pu j'ai pas trop pu sentir exactement l'odeur, mais bon, je me suis dit, à la noix de coco, ça peut sentir que, donc en plus petite fée grillée de tout ça, quoi. Donc ça sent la noix de coco, hein. Donc ça va. C'est Imagine the Nature, le truc. Bon. Je ferai après mon micmac. Et le dernier produit, bah, c'est pas un produit que j'ai acheté en ville. C'est un produit AliExpress. Donc c'est un porte-carte, comme ça. Je vous mettrai le prix ici, parce que je m'en souviens plus. Et voilà, toutes mes petites cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Par rapport à mon autre porte-carte qui est complètement explosé, celui-ci, on peut en mettre deux cartes de moins. Donc ça va. C'est deux, voire trois par compartiment. Mais bon, il faut quand même que ça puisse se fermer correctement parce que je pense que l'autre était tellement blindé qu'il a explosé ici. Donc pourtant, c'était une bonne marque. Hein. Ce sont ceux qui sont un peu plus gros, mais je l'ai jeté. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà pour ma deuxième partie du haul. Je pense qu'on fera une dernière partie pour pas que ce soit trop long. Donc rendez-vous dans la suite juste après. Donc on se retrouve pour la dernière partie de ce haul. Donc voilà, on est début juin et donc fin mai, je l'ai commandé quand? Je crois que c'était jeudi 20... 6 ou 27, je sais plus, mais j'ai profité pour la dernière fois de la réduction de moins 25% qui était chez Sephora jusqu'au 30 mai pour la fête des mères. Donc je me suis dit que j'allais quand même me prendre juste un produit, voilà, sur le site. Et donc c'est les crayons Aqua XL de Make Up For Ever. Donc ce sont les nouveaux crayons, ils sont à la base à 19€. Donc moi j'ai pris la teinte I36, donc j'ai voulu prendre un vert kaki. Voilà, voilà. Il est comme ça, donc I36 ça veut dire irisé 36. Voilà, j'étais raisonnable. Alors je l'ai mis ce matin en ras de cils inférieur, mais vu que là c'est la fin de la journée, alors ça se verra pas trop. En plus, j'ai les cheveux en fouillis, j'ai plus de rouge à lèvres. Bref. Voilà, donc voilà, ça c'était la dernière chose que j'ai acheté avec les moins 25% chez Sephora. Ensuite, début juin, vraiment, je crois que j'y suis allée le 1er ou le 2, je sais plus, bon bref, je suis allée chez Carrefour et il y avait une promotion, donc il y a la promotion du 31 mai au 6 juin, il y avait les promotions sur quelques produits, alors quelques produits nourriture, machin, comme d'habitude, et quelques produits maquillage, donc depuis le temps que je voulais tester ce mascara, donc c'est le méga volume Miss Hippie, voilà, donc j'ai testé le jaune, le Miss Manga. Enfin, je sais plus, il était jaune, j'ai beaucoup aimé, et celui-ci apparemment c'est volume ébouriffé,
Et comme moi j'adore avoir des cils hyper chargés, donc voilà, je voulais vraiment tester. Donc ils disent que ce sont des poils allongeants et tout, donc je pense des poils, voilà, à poils. Voilà, c'est pas du plastique. Donc voilà, il était par contre celui-ci, je vais y arriver, hein. Je suis fatiguée de ma journée, j'ai commencé tôt ce matin. je sais plus, je vais y arriver. Il était à 9,90 € et il y avait 2,97 € en moins dessus. Donc 6 euros et quelques. Oh là là, hop. Franchement, excusez-moi, mais pour une fois que je suis pas organisée. Voilà, 6,93 €. Voilà la promotion. Donc je m'en suis dit, autant profiter depuis le temps que je lorgnais ce truc. Voilà. Et c'est la seule chose, c'est Carrefour qui m'intéressait en promotion. Mais j'ai voulu renouveler mes crèmes pour le corps. Parce que forcément, qui dit mois de juin, dit vacances et dit été. Donc j'ai repris mes crèmes pour le corps Carrefour de la marque Liposcience. Donc ce sont des crèmes qui sont vraiment pas chères et qui sont efficaces pour info. Parce que les miennes, elles sont là, les anciennes, et j'en ai presque plus. Voilà, il reste ça sur chaque. Donc voilà. Donc la bleue, c'est la effet glaçon à base de caféine pour réduire visiblement la peau d'orange. Et ça fonctionne vraiment. Donc celle-ci, donc ça, c'est le sérum minceur. Il est à 8,90 €. Ce sont quand même des 200 ml. Donc 8,90 € sérum réducteur tonifiant effet glaçon. Donc pour réduire visiblement la peau d'orange à base de caféine, c'est super bien et l'odeur est très agréable. Et le deuxième, c'est celui-ci que j'utilise sur ma taille, mes hanches, mon ventre. Celui-ci, donc c'est le crème silhouette affinante, affine la taille, les hanches, le ventre, à base de sélosie et prunelle, qui coûte 7,90 €. Voilà, donc, et les packagings, pour info, ça ressemble à ça. Donc côté minceur, de toute façon vous ne trouverez que chez Carrefour parce que c'est la marque les cosmétiques. Voilà, donc c'est la marque de Carrefour. Franchement, pour le prix, ils sont hyper efficaces. Je vous les conseille à 1000%. Donc voilà pour Carrefour. Et pour finir, je suis allée chez Réserve Naturelle parce que il y en a un qui était dans la galerie de Leclerc qui va faire les travaux et qui mettait tout à moins 50% dans la boutique. Donc j'en ai profité pour reprendre une nouvelle eau de parfum. Donc cette fois-ci j'ai pris Oud Ambre. Donc ça c'est un oriental. Et bah, comme d'habitude je vous mettrai la liste ici des produits, la composition. Et ça sent super bon. Je croyais que j'avais pris un qui ne fonctionnait pas. Ouais. C'est un peu bois, ça fait un peu, on dirait, du tonka mélangé avec de l'ambre. J'adore cette odeur. Voilà. Donc, au lieu de 6,95 €, hop, au lieu de 6,95 €, ça faisait à 3,47 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et il y avait également des petits portefeuilles. Parce que le mien est en décomposition, je vais vous montrer après. Donc j'ai pris un portefeuille comme ça. C'était le dernier comme ça. Après les autres, ils étaient tous bariolés. Enfin, ils étaient jolis, hein. Ou plus grands aussi. Et vu la taille de mon sac, je préférais éviter de prendre un grand portefeuille. Donc lui, à la base, il était à 11,95 € et il m'est revenu à 5,97 €. Donc voilà, hein, tout simple. Comme ceci. Voilà. J'ai même pas encore. Je reviens de Leclerc, donc j'ai même pas encore pris le temps de mettre tout mon fouillis là-dedans. Parce que mon portefeuille, il est en décomposition. Voilà, il ressemble à rien. Et il est vraiment éclaté, quoi. Le truc, c'était un naf-naf qu'on m'avait offert. C'est des copines qui me l'avaient offert. Je l'adorais, hein, mais c'est plus possible. Ça fait trop pouilleuse. Donc voilà. Je me sépare de mon portefeuille que j'aime beaucoup pour un truc vachement plus haut, voilà, mais plus fin, donc c'est cool aussi. Et puis pas cher. Au début, voilà, je cherchais un petit peu sur AliExpress. Les prix c'était 10 euros, 8 euros.
voilà, à peu près comme celui-ci. Je me suis dit, tant qu'à faire, voilà, j'en ai profité pour prendre celui-ci. Sinon, je voulais un Michael Kors, mais 150 €, c'est pas possible. Au début, je voulais un double, voilà, double ouverture, mais j'ai fouillé sur AliExpress, hein, il y avait des faux, mais il coûtait 15 €, je crois. Mais après, côté qualité, j'étais pas sûre, donc bon. Je me suis dit, allez, tant pis, je verrai bien, et puis je suis tombée là-dessus. Donc, voilà. Donc, voilà pour la dernière partie du haul. Voilà. Enfin, un haul quand même un petit peu long, hein, je crois que ça va faire 30 minutes. Voilà, mais c'est un haul fin mai, début juin. Et puis, je crois que le prochain haul, ça sera... ouais, début juillet, quand je serai allée à Bordeaux, parce que je vais, à partir de maintenant, économiser pour aller... pendant mes vacances à Bordeaux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !